Bonjour à toutes et à tous, c'est Paris AG Jim, Mathias 81. C'est mon deuxième compte. Mon premier compte, c'est Mathias 88-13. Mais bon, là, c'est mon compte pour FIFA. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite équipe FIFA Ultimate Team. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait quelques matchs, mais j'ai jamais voulu faire de vidéo parce que je pensais être mauvais. Donc voilà. Mais bon, là, je vais vous montrer ce que j'ai comme équipe. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai 494 victoires, 10 nuls, 204 défaites. Et 21 trophées. Là, je vais vous montrer mon équipe en or. J'ai une très bonne équipe, je vous le cache pas. Hein. J'en ai eu une encore meilleure avec Ronaldo, Messi. J'avais tous les meilleurs joueurs. Rooney, j'avais tous les meilleurs joueurs. Donc là, je me suis créé une petite équipe brésilienne pour changer. J'avais envie de changer. Une équipe brésilienne avec une entente d'anglais devant. Mais bon, ils s'entendent bien avec Ramirez qui joue dans le championnat anglais, donc c'est bon, c'est bien. Là j'ai Dédé en bleu, c'est en défense, il est super bon. Celui qui tient bien sa défense, ça passera pas. J'ai Julio César en gardien, Thiago Silva en défenseur central, Chiellini en défenseur central, Dédé. Ensuite j'ai Luis Gustavo en milieu défensif. J'ai ensuite Denilson, qui est un très bon joueur d'ailleurs. Ensuite Néné, c'est le meilleur Néné. Ensuite Walcott et Agbondelaor. Mais bon, ça c'est les petits attaquants. Quoi. J'ai d'autres attaquants dans ma réserve, tout ça. Ce sont mes remplaçants. Alors là, je vais vous faire montrer les bons bancs des remplaçants. Alors j'ai Naldo en noir, 90 de défense, 82 de tir, 79 de vitesse. Pour un défenseur, c'est complet. Nilmar, il va vite, il dribble bien, il manque un peu de frappe, mais il est bon. Taiwo, super bon défenseur gauche, que je mets à la place de Chiellini d'ailleurs. Lucas Leiva, Diego Alves, un petit gardien comme ça, vu que je me sers quasiment jamais du gardien remplaçant. Lucio, de l'Inter. Wellington, un joueur super complet que je conseille à tout le monde d'ailleurs, à tous les joueurs de FIFA. Robinho, en milieu offensif, qui est pas mauvais non plus. Roberto Carlos, qui est super bon. Michel Bastos, qui ne remplace pas mon aîné, bien sûr. David Luiz et Eninho, un joueur qui est super bon et super rapide surtout. Et voilà, moi j'aime bien les joueurs rapides, donc voilà. Bon, maintenant que je vous ai montré mon équipe en or, j'ai une équipe en argent que j'ai créée aussi. Donc, je vais vous la montrer. Alors hop, je vais vous montrer l'équipe en argent. Voilà. Donc, c'est une petite équipe sympa que je conseille parce qu'elle est vraiment bonne. Elle est rapide. Elle est super bien. Donc je vais vous montrer les remplaçants pour commencer. Hein. Alors j'ai Boutka, Doxer. J'ai Bedimo Sané de Montpellier. J'ai Maurice Bellet de Bordeaux. Mbengue de Toulouse. Seara de Paris Saint-Germain. Grenier de Lyon. Lottier de Nancy. Utaka de Montpellier. Vercout de Lyon. Sanchez de Valenciennes. Saïd de Montpellier. Et Gradel de Saint-Étienne. Ensuite, les joueurs de champ. J'ai Jourdren au gardien. J'ai Corchia de Sochaux. Demayo. Abdenour. Kibi. Berenguer. Eret. Ensuite, j'ai Jussier de Bordeaux. Moukanjo, très bon joueur. Vous ferez montrer ça lors d'un match. Aboubakar et Olier. Une attaque qui va très vite. Et ensuite, je vais vous montrer mon équipe en bronze. Je vous cache pas que l'équipe en argent et en bronze me sert pour faire les trophées. Les trophées en argent et en bronze, que je m'amuse à faire souvent. Et voilà. Ah, il est blessé d'ailleurs. Alors là, chez Ings, c'est pas du tout. Les joueurs, je ne les connais pas vraiment. Hein. C'est juste selon les caractéristiques, j'achète et puis
je me montre une petite équipe sympathique. Alors j'essaie de prendre les bronzes en or, pas les bronzes bronze, c'est vraiment pas bon. Mais là ça va, c'est super bon. Sleo est un super bon joueur d'ailleurs, j'ai mis des buts avec lui tout à l'heure, impressionnant. Donc voilà, là, pour l'instant je vous ai présenté mes équipes, très bonne équipe d'ailleurs, que j'apprécie vraiment. Mais bon, ça m'arrive de changer, même souvent. Je suis toujours en 3-5-2, comme vous me l'avez remarqué, je trouve que c'est une super bonne formation. Pour la contre-attaque, bien sûr, pendant les matchs, je me mets en défensif. Et pour les contre-attaques, c'est super. Donc voilà, là je vous ai présenté mes équipes. Hein. Mais bon, ma meilleure équipe, c'est quand même celle du Brésil. Hein. Que je gagne beaucoup de matchs avec, hein, d'ailleurs. 404, comme je le rappelle, hein, 494 victoires, 204 de défaites, 10 nuls. J'ai gagné 21 trophées. Mais bon, sur les 204 défaites, il y a eu beaucoup de coupures, de choses comme ça. Mais bon, je suis pas invincible, hein, comme tout le monde. Mais bon. Alors là, je vais faire un petit match. Donc, je vais vous laisser pour les vidéos. Je vous ai présenté mes équipes. Et là, je vais faire une autre vidéo pour un match. Avec un match. Voilà.